Bien le bonsoir, bonsoir à tous, braves gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le retour d'un jeu, le retour d'une excellence, le retour de la guerre, de la paix, mais aussi de l'argent, et ça, ça fait plaisir. Aujourd'hui, ce soir, Bannerlord, et ça c'est cool, Bannerlord, braves gens, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, oui, Bannerlord, mais avant, des infos croustillantes, si tu veux. Des infos croustillantes. À savoir déjà, je suis en négociation avec les développeurs de Bloody Hell Hotel, comme vous le savez depuis un certain temps. Et peut-être... Peut-être qu'il y a moyen... Peut-être qu'il y a moyen, je répète, que nous ayons le fameux hérisson vampire du manoir dans Bloody Hell Hotel. Peut-être. Mais ça ne veut pas tout dire. Ça ne veut pas tout dire. C'est encore en négociation. Peut-être qu'il y sera. Peut-être qu'il n'y sera pas. On verra bien. Également... Peut-être que mon autre idée, du coup, parce que vous savez, c'était un délire un petit peu qu'on avait eu au dernier stream, hein, de se dire, ouais, ce serait marrant qu'il y ait le hérisson vampire dont Manmery nous parle à chacun des streams. Ce serait marrant que j'arrive à l'intégrer, comme j'étais en négociation dans un jeu, justement, où tu gères un hôtel, c'est pas un manoir, mais tu gères un hôtel sur un style très vampirique. On s'était dit que c'était drôle. Mais moi aussi, j'avais des idées de gameplay. Je n'avais pas que vos idées, braves gens. J'avais les miennes, qui valent mieux. Donc, je me suis armé de mon papier et de mon crayon et j'ai brainstormisé tout seul, si tu veux. Et je suis arrivé à quelque chose d'assez intéressant qui a ma foi, pas foutu l'hype dans le Discord, mais qui a bien plu. Et donc, écoutez, on verra ce que les devs en font. On verra ce que les devs en font, et je ne vous en parlerai que si ça se fait. Évidemment, je ne vais pas vous en parler maintenant, pour des raisons... de toute façon, l'idée elle est actée, si tu veux, donc je pourrais en parler, il y aura mon nom dessus, donc entre guillemets on ne pourra pas me la piquer. Mais, dans le loot, je préfère pas en parler, et pour aussi pas créer de déception, tout simplement. Si jamais ça se fait, c'est cool, si ça se fait pas, bah tant pis. Deuxième chose, et là on va discuter sérieusement. On va pas parler musique. On pourrait. Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui s'organisent, que ce soit au niveau de l'équipe, au niveau de plein de choses. Il y a énormément de choses qui se mettent en place, mais vous le savez, à chaque fois je le dis, à chaque stream je dis il y a des choses qui se mettent en place. C'est vrai. Quand il y a rien qui se met en place, je le dis aussi. Mais quand il y a des choses qui se mettent en place, je le dis. Donc c'est vrai. Voilà. Mais il y a aussi autre chose de très important. Un jeu dont je vous avais parlé, braves gens, qui s'appelle Life is Feudal MMO. Est-ce que je vous en avais parlé? Parce que ça, pardon, c'est revenu? Est-ce qu'on me ment? Est-ce que c'est réellement revenu ou est-ce qu'on me ment? Je tiens à préciser qu'on ne me ment pas puisque c'est mon oncle qui m'a envoyé ça. Et que c'était aussi un très gros joueur. Je suis fan. J'ai passé, mais... Des milliers d'heures là-bas! Des milliers, braves gens! Attendez, non mais sans déconner. On va arrêter de mentir 3 secondes. Regardez bien. Alors, je vais regarder mon truc de Life is Feudal. J'ai passé 800 heures sur ce MMO, d'accord? Alors oui, on va me dire, connard, les gens qui jouent à WoW depuis 2004, nique-toi, ils ont pas 800 heures. Oui, sauf que ce MMO n'a existé que 2 ans, et que pendant 2 ans, j'étais occupé aussi, j'avais un peu d'autres choses à foutre, et tous mes soirs, je l'ai passé là-bas, et j'avais été précurseur! Vous avez bien compris. J'ai été précurseur d'une chose... sur Life is Feudal MMO, et ça personne ne peut me l'enlever parce qu'il y a des traces encore sur les Discord, parce que j'étais un malade mental et j'avais inventé l'intérim. J'avais inventé Randstad intérim, garantie si tu veux. J'avais inventé les inventaires, tu vois. Non mais c'est vrai, en plus le pire c'est que c'est vrai.
premier degré, j'étais allé voir sur les Discord et j'avais fait des messages en disant écoutez, c'est pas compliqué, j'ai besoin de thunes dans le jeu. Voilà, j'ai besoin de thunes, j'ai besoin d'armure, vous me payez comme vous voulez, vous me payez en objets, vous me payez en boue, vous me payez en pièces, j'en ai rien à battre, je viens bosser chez vous, je fais vos travaux. Figurez-vous que j'ai été contacté par une personne. Eh oui, j'ai été contacté par quelqu'un et j'y suis allé avec mon clan à l'époque. David, Sven et la Total, si vous voyez ce stream, c'est pour vous. Bordel de merde que j'aimerais rejouer avec vous, c'était trop bien. Voilà, c'était vraiment incroyable. Je me rappelle aussi de Curactor, bienvenue, voilà, tu es allemand donc tu ne comprendras pas. Mais putain, je me suis trop marré avec toi, c'était trop cool. Voilà, on parlait en anglais, c'était marrant. J'ai adoré jouer avec vous les mecs, c'était vraiment trop bien. Et je vais reprendre contact avec vous, sachez-le. Life is Feudal MMO qui revient, je vais vous agresser, hein, direct. Je vous agresse tous, tous, d'emblée. Voilà, et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Du coup, j'y étais allé. J'avais bossé du coup pour ce mec. Et en fait, il était en guerre contre un autre gars. Voilà, il se mettait sur la gueule avec un autre. Et en fait, il m'avait payé double pour que je bute ce mec, et je m'en souviens, j'avais fait des duels, on avait construit... Oh, attendez, est-ce que je vais retrouver ça ? Est-ce que je vais retrouver ça ? Attendez, oh, est-ce que je vais remettre la main là-dessus ? Oh, oh oui, j'ai ça, oh oui, ah non mais ça c'est trésor, brave Jean. Oh là 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 là. Oh, oh non mais ça... Oh là là là, j'avais installé Discord pour ça, je me souviens. Alors oui, alors forcément, j'avais pas mon micro, putain, parce que je suis un sac. Mais regardez ce qu'on avait fait. Regardez ce qu'on avait fait. Je vous montre un exemple. Attendez, je vérifie un truc. On était des malades, hein. On avait fait un truc de ouf. C'est qu'en fait... Sur Life is Feudal, voilà, c'est là. J'ai. Alors attends. Voilà. Sur Life is Feudal, on avait un truc. Il y avait sur la map du jeu. Enfin, sur la map. Il y avait une île, en fait. Il y avait une île. Et sur cette île, il y avait un bâtiment en test, en concept art. Ok ? En développement, quoi. Il était en développement. Et c'était... Enfin, je sais plus s'il était en développement, mais en tout cas, il était en... Ouais, il était juste là. Il était nulle part ailleurs sur toute la map du jeu. Et en fait, avec mon pote David, on s'est dit quoi ? On s'est dit, hey, viens. Voilà. Alors, pour info... Alors, ouais, les rushs, ils font 10 minutes. Viens, on prend une soirée... Et on construit un escalier. C'était très long. C'était très chiant. On construit un escalier... Pour essayer d'aller atteindre ce bâtiment, voilà, il est là, ça c'est David ici, hein, vous le voyez ici, ça c'est mon personnage. Et on s'était tapé un délire, mais toute la soirée et une bonne partie de la nuit, à tailler des pierres, à creuser, à faire des cailloux, et à les poser pour faire un putain d'escalier, juste pour aller voir ce bâtiment. Qui peut dire ça maintenant ? Qui ? Personne n'a fait ça hors Grimar, si tu veux. Si, des gens l'ont fait. des gens ont escaladé la banque des dizaines de fois. Mais voilà, on s'était tapé des délires. Et Life is Feudal, c'est sincèrement un des meilleurs MMO médiéval au monde. Il y a Gloria Victis qui est très bon. Il y a Life is Feudal. Voilà, il y en a d'autres certainement, mais que je ne vois pas, que je ne connais pas. Et pour Alduin, je m'en suis inspiré. Je me suis inspiré d'Alduin pour faire de Life is Feudal pour faire Alduin. Pourquoi ? Parce que sur Life is Feudal, il y a des éléments en fait où tu tout simplement où tu es MP par le serveur et il te dit t'as une épine dans le pied, t'as les cheveux qui grattent, tu t'es chié dessus. Enfin bref, des trucs comme ça. Et c'était excellent le concept et je l'ai repris sur Alduin. Ceux qui le savent, ceux qui jouent, ceux qui voient les streams, vous savez que je m'en suis réinspiré. Et putain que c'était trop bien. Donc Life is Feudal et je vais vous agresser direct si jamais ça revient. Hein. Direct. Salut Nizox, comment ça va ? Moi perso, ça va bien. Ça va bien. On va streamer sur Bannerlord. On va stream sur Bannerlord. Tac, 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 tac. Hop là. Alors, c'est bon. Je lance le jeu et on va partir sur Bannerlord.
la suite du let's play, la suite. La suite du let's play. Mais en tout cas, ouais, non, bah, Mountain Blade, Life is Soda, les MMO, meilleure chose, meilleur jeu, meilleur, l'un des meilleurs MMO, sans déconner, médiévaux, hein, sans déconner. Et pourquoi le jeu a pas marché? Le jeu a pas marché parce que tu l'achetais une fois, t'avais plus d'abonnement, il me semble, t'avais des abonnements, entre guillemets, si tu voulais, en bonus. Sauf qu'en fait, bah, ça marche pas. Il faut des abonnements pour les MMO, c'est obligé. Tu ne peux pas avoir des MMO qui tiennent dans le temps s'il n'y a pas ou de la custom vendable, mais qui se renouvelle, hein, évidemment, qui reste pas la même tout le temps, avec une boutique et les abonnements. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Et Life is Feudal, c'était trop bien parce que bah, tu faisais ton royaume, littéralement, tu créais tes bâtiments. Tu faisais ta guilde, tu croisais des gens, tu faisais du commerce, t'avais des serveurs RP, t'en avais un d'ailleurs sur lequel j'étais, t'avais le serveur RP, tu pouvais pas courir si jamais t'étais pas poursuivi, tu pouvais pas faire des trucs comme ça, et c'était trop bien. Et comme je vous dis, j'avais été précurseur dessus parce qu'effectivement bah, j'avais inventé Randstad Interim, Randstad Interim avant l'heure, j'avais bah, du coup vendu mes services de builder, de terraformer, de tout ça, à tel point que j'avais même attaqué, je m'en souviens, alors ça c'était pas pour l'intérim, j'avais attaqué une montagne à la pelle. Parce que mon pote David était un putain de troller et qui m'avait dit « Ouais, quand je suis pas là, tu peux faire la route s'il te plaît ?» Et bah moi je m'étais dit « Allez, je fais la route. » Il m'a dit « Tout droit, je vais tout droit. » Et tout droit, il y avait quoi? Il y avait une montagne et je m'étais mis en tête de l'exploser, la montagne. Voilà. Donc, j'ai fini. Ah oui, c'est la merde. Ah oui, on en est là. Ah oui. Ah. Alors pour ceux qui savent pas comment je fonctionne sur Bannerlord... vous verrez que pendant les batailles, j'aime bien mettre de la giga dubstep pour casser des gueules. Je trouve ça très reposant en fait. Les gens sur le stream aiment bien, ça provoque du harcèlement général d'emote. Je trouve ça très cool, donc n'hésitez pas, bien sûr. Quand on aura des grosses bastons, on fera ça. Par contre, pourquoi j'ai appelé ça c'est la merde? Ça me rassure pas du tout. Ça ne me rassure pas du tout. Appeler une sauvegarde c'est la merde, bah c'est que ça devait vraiment être la merde. En termes de fric, en termes de... Ah oui, on n'avait pas perdu notre château, je sais pas quoi. Si, je m'en souviens. Oh, je m'en souviens, c'est terrible. C'est terrible. Où est mon curseur? Où est mon putain de curseur? Allô? Alors, faisons un point sur la situation. J'ai 101 000, c'est propre. J'ai 101 000. Effectivement, on a perdu notre château et nous sommes en guerre contre les Batanians. Je vois. Également, éliminer les pillards. J'ai 18 jours restants pour faire ça. Ah, c'est chiant ça, c'est... C'est par rapport à quoi? C'est pour décrédibiliser, c'est ça? Mes agents signalent des activités inhabituelles. Ah oui, d'accord. Alors, oui, sauf que, ils sont bien gentils. Merde, on se fait attaquer. Fuck. Lyena. Elle est où? Gain 7. Qu'est-ce qu'elle fout à Gain 7? C'est où Gain 7? C'est où Gain 7? C'est là? C'est où? Au secours? Si elle se fait attaquer, Glintor, non. Elle est où? Putain, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Au secours. Ce qu'il faut qu'on fasse. Parce qu'on est roi hein, maintenant, techniquement. Voilà, on est roi. Lyena a été capturée. Fuck. On est roi. Alors, ce qu'il faut, voilà, c'est attaquer ces fils de pute. Voilà, comme ça, là, comme eux, là. On les attaque. Et on va, en fait, bah, les éliminer au fur et à mesure. Et moi, j'aide... Je vais défendre la caravane. On va casser des gueules, hein, je vous le dis. Ça va casser des gueules sec. L'idée, c'est de reprendre un château aujourd'hui. On va arrêter sur le coup de 22-15, 22-30. Voilà, donc il faut qu'on soit efficace. Efficace, brave Jean. C'est important. Tac, 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 voilà,
Ouais, faut qu'on soit efficace. C'est crucial. C'est vital. Voilà. Alors, on va le laisser réfléchir, hein, parce que forcément, s'il y a des modes qui sont pas tout à fait à jour, ça fait chier. Ça fait chier. Mais bon, on va s'adapter. C'est pas grave. Adaptons-nous. Je coupe ça, parce que sinon, je vais encore me faire agresser et déranger. Voilà. Voilà qui est bien plus correct. Cut. Parfait. Garantie. Maltraitez vos téléphones, c'est important. Ah ! Alors, sur qui est-ce que j'ai un contrôle ? J'ai un contrôle uniquement sur mes hommes. Je vois. Je vois. Alors, ce que nous allons faire, c'est qu'on va leur demander de me suivre, puisque visiblement, on va passer à l'attaque. Ah oui, d'accord. D'accord, c'est nous qui attaquons, c'est ça ? C'est comme ça que ça se passe ? Fais voir. On va essayer. Ah, je vois. D'accord. Ils sont là, mais ils ont abandonné leurs ressources là, c'est nul à chier ça, c'est quoi ? On est où là ? Alors. Soldiers, ici. Archer. On my soldiers. Stay calm, follow me, soldiers. Tac, formation. Formation en, quant à vous, formation en mur de bouclier, dépêchez-vous. Grouillez vos fions, grouillez vos culs. Allez. Quant à mes cavaliers, vous me suivez. Cavalier, je veux une formation en échevaux. Voilà, c'est très bien ça. Et on va essayer d'en tomber quelques-uns. Surtout les archers, c'est important, ça touche. On s'occupe des archers, c'est important. On essaye. Ça touche. Voilà, ça va prendre du temps. Ok, on a des morts. Ok. On a des morts, mais on inflige du dégât. C'est ça qu'on veut. Voilà. Voilà, l'infanterie, il faut qu'elle charge. Les archers, ils sont où ? Les archers, ils reculent. Reculez. Important, on recule. Ça touche. Putain, le salaud. Et ici. Ça touche. Ça rate. Oulet. Combat. Le combat, ça touche. Voilà, c'était pas un bon plan ça. C'est un petit peu risqué. Bon bah, pour mes hommes ça se passe hein. Avancez en ligne. Quant à vous, vous allez avancer là. Mettez-vous en ligne également vous, c'est pas mal ça. Voilà, mettez-vous en ligne, il faut que ça tombe un peu. Archer, faites une putain de ligne, bordel! Casse les couilles, ces archers! Ça meurt! Au lieu avec sa lance, il me fait flipper. Ça touche! Pas mal du tout. Ça perfore! Oh, le fils de pute! Mais tu crois vraiment que tu vas pouvoir me tomber en fait? T'y crois toi hein? Descends toi. Putain, il a buté mon cheval l'enfoiré. Bordel, mon poney. Putain, le con. Bon. Allez, chargez tous, ça m'a gonflé. Poney, Viens ici. Prête-moi tes quatre jambes à mon service. Merci. Ils agressent qui là ? Je sais pas qui est-ce qu'ils agressent, mais ils l'agressent. Hein. Ok, bon, ça s'est bien passé. Ok, lui là, on le voit là. Viens ici. Petit connard, viens là. T'es court pas vite ce poney. Hein. L'angoisse.
L'angoisse, hein. Ça touche, ok. Merde. Ici. Viens ici. Viens là. Viens prendre ta gifle. Viens prendre ta gifle. Hé, hey, je m'en fous, moi j'agresse le cheval, hein. Rien à foutre. Crève. Crève. Tu vas crever, hein. Je te le dis, hein. Touche pas à mon cheval. Touche pas à mon cheval. Putain. Voilà. Renommée plus 11. Vous avez obtenu 31 d'influence, pas mal. 6 de morale, 61% du butin. Tu m'étonnes, j'ai un peu de leur sauver le fion. J'espère bien que j'ai gagné 60% du butin, ouais, c'est le minimum. Garantie. Garantie. Première action, vous êtes mon prisonnier maintenant. Vous êtes libre de partir, vous êtes mon prisonnier. Non, tu es mon prisonnier. Ça va pas ou quoi? T'es un malade. T'es un malade en fait. Voilà. Non, je veux pas l'exécuter de toute façon. C'est pas dans mon objectif. J'ai pas envie de l'exécuter. Ce serait complètement. Enfin. Non, ce serait pas contre-productif en fait. Mais j'ai pas besoin. Dégâts augmentés contre les troupes montées de 20%. Pas mal ça. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Voilà, nous avons obtenu un messager. Une offre de rançon. Le clan détient et demande une rançon de 238. Bah oui, j'accepte. Si c'est que ça... 238? Mais t'es un malade toi. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Bon, toi. Toi. J'ai essayé de vous libérer. J'ai une offre pour vous. Rejoignez-nous et retrouvez votre liberté. Qu'êtes-vous en train de dire exactement? Je suis la souveraine légitime de ces terres. J'ai besoin de votre soutien. Je suis le souverain légitime, mais oui, c'est ça. Ah! Ah ah! Intéressant! On est en train de négocier pour qu'ils nous rejoignent. Je ne vous apprécie même pas. Vous vous attendez vraiment à ce que je discute d'une chose pareille avec vous? Bah, j'espère bien. Écoute, vous me connaissez comme quelqu'un qui préfère éviter le sang qui coule. Qui préfère éviter que le sang coule, pardon. Vous connaissez certainement ma réputation. Vous savez qu'il n'est pas dans mon intérêt de trahir votre confiance. Ah, merde. J'ai prêté serment auprès de Monseigneur. Caladoc vous demande d'accomplir des tâches déshonorantes et aucun serment ne vous oblige à faire le mal. Vous avez peut-être raison. J'ai toujours soutenu Caladoc. Qu'il m'ait soutenu ou non est une toute autre question. Nous avons combattu ensemble lors de nombreuses guerres, notamment contre votre peuple, les Sturgiens. Oui, la cruauté de Caladoc est légendaire, qui se soucie de ses valeurs alors que le pays baigne dans le sang. Succès critique. Eh bien, je ne peux pas dire le contraire. Hop là, tu vas faire quoi? Vous êtes largement en sous-nombre. Une rébellion devrait avoir au minimum une faible chance. Devrait avoir au minimum une faible chance de succès. J'ai une stratégie pour gagner. Mes stratégies finissent toujours par payer. Mieux vaut mourir en se battant pour un souverain juste que de vivre sous les ordres d'un mécréant. J'arrive pas à lire, c'est terrible. Bref. Oui, je sais pas trop lequel prendre. Celui-là non, clairement pas. Yes. Plus un seigneur. Je vois. Très bien, vous m'avez convaincu de réfléchir à la question. C'est une décision dangereuse cependant, et je risque ma vie ainsi que celle de mes hommes. Je vais avoir besoin d'un soutien concret de votre part avant de changer d'allégeance. Quel genre d'allégeance tu veux? Tu veux 100 000 balles? Oh. T'es sérieux là? T'es sérieux mec? Putain. J'en
Je ne peux faire ce que vous demandez. Eh ben écoute, reste là et attends qu'une rançon soit payée dans ce cas. Dans ce cas. Tant pis pour toi. de dégâts et une arme, les armes à une main, 10 de dégâts d'armes de corps à corps par l'infanterie de votre formation, 10 points de vie à l'infanterie dans votre groupe. Plus de dégâts. Plus de dégâts. Attends, mais dans mon armée, j'ai qui en fait là? Parce que. Ah, j'ai Bilic et tout. Ouais, d'accord, ok, bon, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Nos zones. Neutre, ouais. Donc c'est pas mal, 120 hommes, plus toute la bouffe, plus tout le reste, je pense qu'on a moyen clairement de reprendre un château, hein, si jamais. Mais il faut prendre un château qui soit en frontière en fait, faudrait prendre celui-là. Château d'Abcomer, ça peut être pas mal. Oh, Edwain, on va lui casser sa gueule à lui, tiens. Salut mec, comment ça va? Ah, d'accord, très bien, tu amènes des renforts, je vois. Est-ce qu'il va venir selon vous? On va voir, hein. On s'adapte, braves gens. Lui, il patrouille, mais il va me fuir quand il va me voir, à tous les coups. Il se déplace à combien? 5,2. 5,2, et moi je me déplace à 2,9. C'est lent, 3,6. Ah, c'est très lent. Alors, là en termes de défenseur, il y en a combien? 57, ouais, mais bon, le problème c'est que... Ouais, ok, il y en a 57, mais... Tu me poursuis, toi? Ok, lui, par contre, il va me poursuivre. Lui, il s'est enfui de mon groupe, je vois, bah ouais, forcément. Il me faut de la thune. D'accord, bon, je me fais poursuivre. Ok, pas de soucis, mec. Chiant, ça. Attends, il y a au-dessus des épéistes? Ah oui, les sergents, oui, d'accord, ok. Ok, j'étais en train de me dire quoi? Comment ça? Putain, ils me poursuivent à l'infini par contre. C'est vénère. Ça me poursuit à l'infini. Ça veut rien dire. Il reste là ou il se casse? Non, il se casse visiblement. Ok. Forge. Ah putain, ouais, mais j'ai pas les éléments pour faire ça. Ah, casse les couilles. Ah, ça fait chier. Tant pis. Les Vlandais, ils ont pas un territoire ailleurs. Les Bataniens, pardon. Ils ont pas de territoire ailleurs. C'est-à-dire qu'on est obligé d'attaquer ici. Et de toute façon, on est obligé d'attaquer vers Abcomer. Parce que, de toute façon, c'est bloqué. On est obligé. Et je commence déjà à perdre des thunes à l'infini. Oh. Ça, c'est l'angoisse. Ok, lui, il est là. Est-ce qu'il a beaucoup d'infanterie? Champion batanien, des guerriers de clan, des jeunes, des éclaireurs, des faucheurs vétérans, des coureurs, des guerriers de clan.
Il a pas forcément une bien meilleure armée que nous, hein. J'ai pas l'impression. Alors attends. Réorganisons notre armée parce que ça n'a aucun sens. Niveau 4. Niveau 3. Voilà. Cavalier batanienne, mais c'est hors de question que je prenne des bataniennes. Des sergents, moi j'ai quand même pas mal de troupes. Hein. Des tireurs d'élite, j'en ai quand même 22. C'est pas mal, hein. Je pense qu'on peut les tomber. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas les tomber, à votre avis? Moi je suis joueur. Hein. Parce qu'après il me fuit, hein, regardez. Il me fuit, hein. Il ose pas m'attaquer, il ose pas. Tiens, viens me chercher. Y'a plus personne là, mon con. Y'a plus personne. Y'a plus personne. T'es dans la merde. T'es dans la merde totale. Viens. Viens, en fait. Viens là. Voilà. Rendez-vous. Rendez-vous. Allez, hop. Allez, on a l'avantage. Y'a quoi, maintenant? Petite sauvegarde. Enfin, on a l'avantage. On a l'avantage théorique. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On a l'avantage théorique. Deux choses différentes. Ne nous méprenons pas, braves gens, ne nous méprenons pas, n'essayons pas de gruger, si tu veux. Ni de grid, on ne grid pas. On grid pas, chat. Attention. Vous savez ce que ça veut dire, une baston aussi grosse que ça? Vous savez. Vous savez ce que ça veut dire. Vous savez. Vous savez ce que ça veut dire. Alors, là on va rigoler. Ils viennent ou pas? Ça vient ou pas là? Là-bas, les deux là, les chopes par le callback, viens ici. Il est où? Là! Il est ici! Oh putain, les archers. Vite, on se casse. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse. On se casse. On se casse, il y a les archers, on se casse. Dangerous! Dangerous! On a mis du dégât, on est bon.
Voilà, ils vont pas venir, de toute façon, ils vont pas venir. Alors. Voilà, on a le temps, on a le temps. On la joue bien, on a le temps. Ok, il y a un cheval tombé. C'est pas grave. Là, il y a des pégus. Chopez-les. Ça touche. Ça touche. Désarçonné. Tu es faible. Non, tu remontes pas sur ton cheval, t'as pas compris. T'as pas compris, t'as pas compris. Voilà, t'as pas compris en fait. Allez, on se casse, on se casse, on se casse. On a fait un mort, on se casse. Hop là. Ça c'est fait. On se casse, on se casse, on se casse. Ok, on observe, on observe. Ok, ils sont en train d'arriver. Ils sont en train de se rapprocher. Non. Non, ils jouent au yo-yo. Ils jouent au yo-yo, très bien. Très bien, très bien. Ça... D'accord, ça joue au yo-yo. Eh bah. Bah écoute, ça joue au yo-yo, hein, y a pas de problème. Voilà, on devrait pouvoir commencer à toucher nous aussi. On va regarder. D'accord. Ok, ça commence à tirer. Ok, ok. Soldiers! Make a line! Soldiers! Forward! Form a line! Infantry! Attack! Et nous, on va distraire avec la cavalerie. Let's go! Ça touche, hein, ça a touché fort. Hein. Get moving! Troops! Stand apart! C'est pas grave, c'est pas grave, ça touche mais c'est pas grave. Hop là, désarçonné, y'a quoi? Voilà, bien joué ça, excellent. On s'occupe de ces petits connards. Voilà. Eux je les laisse en autonomie, ils vont aller faire chier les archers. S'ils meurent c'est pas grave. J'arrive pas en fait à les faire tourner comme je veux. Allez. Merde. Eh merde.
J'ai eu de la chance. Et merde. Ça, ça pique. Salaud. Salopard. Oh la vieille. Aïe. Putain, comment ça se fait qu'on se fait éclater là? Ah quand même. Allez. On y va. On chasse les derniers. On aura eu de la perte, mais c'est pas grave. On va s'en remettre. On va s'en remettre. C'est pas grave. Aïe. Faut rester en groupe, faut rester en groupe. Voilà, ok, ok. Ça se passe, ça se passe. Putain, la flèche est pas passée loin de moi. Ok, c'est bon, il commence à fuir. Casse-toi, toi. Ok, ok. C'est bon. Bien joué, bien joué, bien joué. Ok, ça me tire dessus. Belle ouverture de ma part, ça touche. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. On maîtrise, on maîtrise. Bon, c'était pas la meilleure bataille, mais c'est passé. C'est bon, victoire de notre part. Wouh! Eh ben, pas mal. Pas mal, pas mal, brave Jean. Pas mal. Bon, c'était un petit peu la guerre, mais ça passe. Oh, cette baston. T'es mon prisonnier maintenant, en fait, enfoiré. Votre captivité est terminée, Liena. Vous m'avez rendu un grand service, j'espère que je pourrai vous rendre l'appareil. Vous m'en devez une, les remerciements ne sont pas nécessaires. Les remerciements ne sont pas nécessaires. 438 prisonniers. Parfait. On a eu des morts. Hein. On a eu des morts. Ouais. Ouais, 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 ouais. Quand même. Quand même. Allez, on va aller vendre. Votre relation avec Fodor a augmenté de 2 pour atteindre 2. Formidable. Formidable. Il me fait attaquer? Il me poursuit, mais il me poursuit qu'à moitié en fait. Ok, d'accord. Très bien. Il me poursuit qu'à moitié, tout va bien. Tout est sous contrôle. Par contre, s'il m'emmerde, je vais aller le chercher. Hein. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, non, il me fuyait, ça va. C'est parti, on va à Orksoul. Pour revendre tout le merdier, se faire de la thune. On a gagné 200 d'influence depuis le début, c'est vénère. Tant mieux. Commerce. Je revends tout. Je revends tout. Il n'y a rien qui me protégera mieux. Du moins pour l'instant, je préfère tout revendre. Et je pense pas que mes sujets aient besoin là de... Enfin, mes suivants, ils aient besoin de quelque chose, donc... T'es... On revend tout. Voilà. Peut-être que ça, par contre, je peux peut-être le fondre. Éventuellement. 40 000 balles, allez hop! Pas mal, ça. Pas mal du tout. Fondre. Pas de charbon de bois.
plus d'énergie. Ok, on a débloqué des trucs. Nouvel élément de forgeage, ok, parfait, formidable. Formidable, formidable, formidable. Un peu de forge encore, un peu de forge, un peu de forge. Voilà, des éléments à plus savoir quoi en faire, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. Alors, au niveau royaume, au niveau guerre, puissance totale, eux ils sont à 9000. Ça veut dire... Ça veut dire qu'il faut absolument... Qu'on en exécute en fait. C'est-à-dire que lui... C'est-à-dire que lead, faut qu'il y passe en fait. Attends, fais voir. On va regarder. On va essayer de lui parler, on va voir ce que ça peut donner. Oh, c'est passé! J'ai prêté serment auprès de monseigneur. Oui, certes. Hop là! Il tient pas parole, ce connard! Hop là, succès critique! Il veut juste ça? Il veut juste nous rejoindre? Bienvenue, mec! Bienvenue! Bienvenue à toi, lead! Parfait! Oh! Et du coup, j'ai ses fiefs! Oh! Incroyable! Incroyable! Voilà comment on fait pour retourner quelqu'un. Allez hop! Allez vous faire foutre maintenant! Y'a quoi? Y'a quoi? Si ça, c'est pas de la diplomatie, si tu veux! Je sais pas ce qu'il te faut, hein! Je sais pas ce qu'il te faut! Garantie! Ah! Oui, bon, on se fait assiéger. Oui, bon, ça, c'était à prévoir. Politique, armée, créer une armée. Ils ont que soit. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Écoutez, recruter. Recruter. On n'a pas de temps à perdre. J'ai moi-même besoin d'énormément d'hommes, donc on recrute. On recrute, on se dépêche. J'ai encore trop de trucs sur moi, il me faut donc des mules. Est-ce qu'ils ont des mules ici? Avez-vous des mules? Donnez-moi vos mules tout de suite. Putain, ils en ont pas. Je les ai pas vus. Donne-moi des chevaux pas... Voilà. Pas ouf, quoi. Je paye 14 000, c'est pas grave. Il me faut des troupes. Il me faut des troupes. Taverne. Recruter 7 piques mercenaires, oui, venez. Choisir les prisonniers à rançonner, tous. Voilà, 1000 balles, allez hop, cassez-vous. Cassez-vous. Parfait. Bon, du coup, on se fait assiéger, ok. C'est pas grave. C'est pas grave, ça va le faire. Ils ont 118 défenseurs, c'est pas des masses. Mais du coup, ça veut dire que c'est ce connard qui m'avait pris mon château. Bah, je suis très content d'avoir pris ma revanche, parce que du coup, son château, il va m'appartenir, je peux vous le dire. Fief. Fais voir. Ces châteaux-là, il va me les donner de suite. Hein. Dès que la guerre est finie, je peux te dire que je vais faire du réaménagement territorial, ça va être réglé. Caladog, ne serait-ce pas le roi, tiens, par hasard? Tiens donc. Bah alors? Alors. Très bien, ça recrute. Créons une armée. Attends, faut que je... Clan, voilà. Augmenter celle du clan sélectionné. Assistance. Proposer d'exclure le clan. Non, je veux pas exclure le clan. Merde.
Non, je voudrais qu'ils viennent en fait. Force 684. Ils en ont pour un jour et 7 heures à venir. Ok, bon, on va voir. On va voir, nous, pendant ce temps, on va recruter des hommes. C'est important. On va recruter des hommes, on va s'organiser pour aller péter la gueule à ces connards. Voilà. C'est la guerre. C'est la guerre plein pot, si tu veux. On va essayer de s'adapter. Bienvenue à ceux qui rejoignent, bienvenue à vous. Installez-vous, braves gens. Installez-vous. Ah, elle a gagné un niveau. Bah, c'est formidable. Deux arbalétriers, mercenaires d'élite, c'est pas assez. Ça, je prends. C'est pas assez. On a 632 bouffes. Hein. Si on n'arrive pas à s'organiser avec ça, je sais pas ce qu'il faut. Repère détecté. Ok. Ok, ok. On se fait assiéger. Est-ce qu'on a perdu le château? Oui, on a perdu un château. Il faut absolument qu'on protège celui-là également. Ça, ça va... Vite. Vite, parce qu'on va se faire assiéger. Je le vois venir. Je le vois venir. Nos zones, il arrive. Ok. Nos zones, il arrive. On a perdu un fief, c'est pas grave. De toute façon, on s'en fout. On venait de le prendre, donc c'est pas vraiment un problème. Faut pas dire que ce soit vraiment un problème. Et en plus, c'est pas le mien, donc je m'en... Le gars garantit. Hein. Alors toi, petit connard. Toi, là, petit connard, viens ici. Voilà, casse-toi. Casse-toi, va voir ailleurs. Hein. Va voir ailleurs. Tu te casses, tu vas voir ailleurs. Voilà, toi, tu viens, toi. Viens. Viens, petit enculé. Viens là, maintenant. Putain, j'ai lu Rihanna, j'allais dire. Putain, il y a Rihanna, la vache. Ok. Stop there. Ouais. It is better we know each other's names. Shut your fucking fuck up. Allez, casse-toi. Casse-toi, tu te rends? Tu te rends pas? Très bien. Pas de soucis. Aucun problème. Aucun problème, mec. Aucun problème. On peut négocier. Difficilement. Toute négociation est tolérée, hein, au manoir. Toute négociation acceptée par le seigneur est acceptée. Ici, c'est la démocratie. Par contre, il n'y a qu'une seule personne qui décide, hein, si tu veux. Garantie. On fait passer des décrets directs. Alors. Toi, tu seras une troupe d'élite. C'est parfait. Nous avons une rivière. Nous avons une rivière. Nous avons peu de hauteur. Nous avons... Quoique... Si, nous avons un petit peu de hauteur quand même. Nous avons une meilleure hauteur ici, n'est-ce pas? Ouais. C'est pas trop... Ah si, 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 ce sera suffisant. Ce sera suffisant, je pense. Ce sera suffisant pour organiser une défense. Alors... Non mais organisez-vous en éparse, c'est quoi ça? Voilà, merci. Vous allez être sur le côté ici, prêt à charger. F6. Voilà, c'est pas mal. Quant à vous, vous allez être là-bas. Bah vous en fait, vous allez vous mettre là aussi parce que vous allez pouvoir tirer. Comment je fais déjà pour les tourner? Regardez dans cette direction. Ouais, bref, on verra ça en jeu. Bienvenue à ceux qui rejoignent. Quant à toi, tu es toute seule. Non, viens là. Viens là. Chiant, viens là. Bon. Ok. Et on va voir ce qui se passe. Ils sont là-bas, ok. Qu'est-ce que je fais? Putain. Casse-toi, Nvidia. Casse-toi. Comment ça va s'organiser tout ça? Putain, je déteste quand ils viennent pas, quoi. C'est un truc... je déteste ça. Avoir à attaquer l'offense, c'est pas... L'offensive, c'est pas mon milieu. Hein. L'offensive, c'est pas mon milieu. Je vais observer ce qu'ils sont en train de faire.
j'ai observé ce qu'ils sont en train de faire. On pourrait mettre de la zik. On pourrait. Ça pourrait être cool. Mais pas certain que ce soit productif. Alors, l'offensive, c'est pas mon domaine. Moi, je suis défensif. Par contre, si j'arrive à cerner une faille éventuellement, tout ceci peut être... D'accord, on se fait... Ok, je vois. Donc, ils sont en train de venir, hein, concrètement. Ils ont 68 hommes. Ils ont pas beaucoup d'archers, hein. Ils ont une trentaine d'archers, c'est tout. Enfin, c'est tout. Et nous ? Nous, on en a... J'arrive pas à lire... Fait chier. 89, c'est ça? Ça pique, hein. Ça peut piquer en tout cas. Ok, bon, visiblement il passe à l'offensive, hein. Ok, ça commence à... J'entends les cliquetis des boucliers, si tu veux. Donc bon, ils vont arriver, c'est pas grave. On va les laisser arriver, c'est pas un souci. Nos archers vont essayer de faire le taf. Il y en a sur le côté, en plus ça déborde donc c'est bien, ça fait un espèce de goulet. Eux ils peuvent tirer au-dessus, donc ça c'est très intéressant. Ils peuvent tirer au-dessus, hein. Ouais, eux ils peuvent tirer au-dessus jusqu'à une certaine distance, donc ça c'est parfait. C'est parfait, brave Jean. Tout ceci est organisé d'une main à peu près honnête. On fait comme on peut, hein. Arbalétrier, archer, le tout mélangé, c'est parfait. Ah, ça se... D'accord. Oui, alors attends. C'est alors moi, un truc qui me ferait pas rire, ce serait qu'il nous contourne. Ça me ferait pas beaucoup... Mais qui c'est qui balance des nunchaku là? On est où? Ça se rapproche ou... Ok, ça va commencer à venir. Ça y est, ça va commencer à se rapprocher. Bien. Eh ben, on a juste à attendre. C'est garanti. Non, ils reculent. Qu'est-ce qu'ils font? Au secours! Yeah. Attendez. J'aurais dû mettre de la musique. On mettra la musique dans l'action. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont où? Allez! Faut venir, hein. Après, bon, si vous savez pas où je suis, bon, vous pouvez aussi passer votre chemin et on se battra un autre jour, mais bon, c'est chiant. Oh putain, t'es en train de me dire qu'ils prennent la hauteur? Allez, con. Bon. Tire dessus là. Ha ha. De nul. Bon. Bon, tu vois. Ils se rapprochent pas du tout là du coup. Ils viennent pas du tout en fait. Ils ont pas envie de venir. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va simplement déplacer nos troupes. Ouais, mais comment? Parce que le terrain est pas... Le terrain est pas à notre avantage là en fait. Ils viennent ou pas? Non, ils viennent pas, ils ont pris position. Fait chier. Ils ont pris position, ça fait chier. Alors. Troops! Get moving! Soldiers! Move! Horse! Move! Soldiers! Move! Horse! Forward! Everyone! Look that way! Voilà, ça va s'organiser, c'est parfait. Bienvenue à ceux qui rejoignent, bienvenue à vous. Ça va s'organiser, tout ceci est formidable. Et ensuite on va aviser. Parce qu'en plus ils sont en train de fuir, du coup ils se cassent. Ah les cons. On a l'avantage, mais il doit pas être gros, hein. Doit pas être très gros notre avantage, parce que on a l'avantage du nombre, mais c'est tout, pas de la qualité. Ils sont barrés. Ah les connards. La dissidence de ces hommes. Hear me.
Move out! Troop turn! Move! Soldiers! Get moved! Warriors! Up that way! Soldiers! Move! Cavalry! Forward! Riders! Move! Horse! Face the soldiers! Horse! Up that way! Okay. Him! Form a line! Le code de la route, enculé! Bon. Garantie. Mais c'est quoi cette file indienne là? Comment ils s'organisent? C'est quoi ces conneries? Warriors! Mais c'est pas ça que je vous ai demandé. Turn! Merci. Quand même. Troops! Un minimum. Un petit peu d'autonomie. Tu m'entres pas dedans, toi. Tout ceci est complexe. Tout ceci est complexe, brave Jean. Tout ceci est complexe. Où est-ce qu'ils sont passés, en fait? C'est ça, la vraie question. Où sont-ils passés? Oh, putain. Oh, bordel. Ils sont où? Nous. On se planque. Ok, bon, il y a lui là. Ok, ça me tire dessus. Allez, viens, toi. Allez, viens. Viens me chercher. Non, tu viens pas. Bah ouais, non, bah non. Évidemment que tu vas pas venir. Évidemment que tu vas pas venir. Putain. Bordel. Soldiers! Move! Warriors! Move! Soldiers! Forward! Horse! Move! Cavalry! Get moving! Rider! Take here! Take warrior! Follow me! Horse! After me! On va voir comment ça s'organise. On va voir comment ça décide de se mettre sur la gueule. Si c'est une espèce de course-poursuite chiante, parce que ça, y a rien de plus chiant. Ou si c'est autre chose. On va regarder. Non, derrière moi, derrière moi, derrière. T'es complètement con, toi. Putain. Bon, ouais, forcément. Pas foutre un peu la merde dans les archers là? Allez, venez. Bien joué. Allez, on se casse. Ah ouais, d'accord. Putain, ils sont claqués mes horsemen. Ok, ça va se battre. Bien joué. Soldiers! Faut qu'ils aillent foutre la merde en fait, mais ma cavalerie. Faut qu'ils aillent foutre la merde. Tant pis, ils vont crever, mais. Aïe 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 aïe. Arrêtez-vous là. Commencez à tirer parce que sinon. Faut qu'il y ait du dégât là, clairement. Les
Les archers, c'est une grosse partie de mon armée. Hein. Ils ont pas le droit à l'erreur, si tu veux. Faut qu'ils soient irréprochables. Voilà. Là, pour l'instant, c'est très bien. Casse-toi, toi. Casse-toi. Et ici. Casse-toi, mais reviens là. Oh, le con. Voilà. Là, ça se passe bien. Là, on va le rouler sur leur cul à ces cons. C'est ça qu'on veut. Voilà, bien joué l'arbre, ça. Ah, ça, c'est... Ah, ça, c'est productif. Voilà, ça commence à fuir. C'est parfait. Allez. On les tue, le max. Le max qu'on peut. On les bute tous. Voilà. On organise une charge générale. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Voilà. On les tue, on les tue, on les tue, on les tue, on les tue. On les tue. Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. On les bute. Leur armure vaut plus que leur vie. C'est ça qu'on veut. On veut la thune. Pour l'argent, Barge. Pour la guerre. C'est ça qu'on veut. Pas de thunes, pas de guerre. C'est réel en plus. Réel. Voilà. Bah ça se passe bien. Finalement cette course-poursuite de merde là qui se transforme en bataille rangée, c'est parfait. Enfin rangée. Comme la chambre de ta petite soeur quoi. C'est un peu... Ok, j'ai réussi à en buter un, je sais même pas comment j'ai fait. Voilà. Bon, il est où le dernier? Il en reste deux, on peut pas les buter? On peut pas les buter les deux derniers? Ça se passe hein. Ça se fait aussi hein. Oh viens là. Alors là. Oh putain. Oh bordel. Je suis nul à chier. Ça touche. Il a plus de foi. Et ici. Voilà. Moins on a envie, mieux ça se passe. 50 morts chez nous quand même. Hein. 50 morts chez nous, ça picote. Des recrues vlandaises. Plus de fantassins. Plus de fantassins. Il faut que ça fasse une armée. Une armée d'orques. Voilà. On veut des orques. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on leur demande. On ne leur demande pas autre chose. Niveau 4, niveau 5. Hop, en dessous. Tac! Tac! Prends tout. Prends tout. On prend le tout. Allez hop. Votre relation avec Liena a augmenté de 2. Formidable. Voilà. Bah ça s'est bien passé. Alors oui, on va se faire poursuivre, oui, forcément. C'est pas grave, ils peuvent nous poursuivre. De toute façon, ils courent... Ils courent moins vite. Ok. Ils nous poursuivent ? Ouais, ils nous poursuivent, oui, quoi. Tout va bien. Ça, on prend, ça, on prend. Ça, je peux le prendre. On va tout vendre, là, on a besoin d'argent. Merde. Merde. 34 000. Parfait. 8 servantes de la sororité. J'achète. J'achète. Direct. Perds pas de temps. Prochaine baston, brave Jean. La musique. Ah. On se met sur la gueule, on va aller les aider. Voilà. On les aide, on les aide, on les aide. Tant qu'on a besoin d'affaiblir, on affaiblit. Hein. Tant qu'on a besoin d'affaiblir, on affaiblit. Et si on peut les convertir à notre royaume, comme ça on pique les fiefs en même temps, c'est garanti. Hein. Moi ça me va. Hein. Moi ça me convient. Si on peut choper le roi, on lui fait sa fête. Ou plutôt sa tête, direct. On perd pas de temps. Sauf s'il veut me rejoindre.
Mais auquel cas, ça veut dire que l'entièreté de ses fiefs me revient, donc c'est pas très avantageux pour lui. Troops! Make a line! Here, soldiers! Give each other room! Riders! Keep your troops! Make a way! Warriors! Wedge forward! Soldiers! Soldiers! On my flank! Ils sont où? Qui se met sur la gueule? Ah d'accord. C'est bon, tout va bien, tout va bien. Je pars qu'avec mes cavaliers, on va voir ce qui se passe. Ah d'accord. Merde. Oh, j'ai fait le con. Putain, il a ouvert sa garde quand même, hein. Il a essayé. Hein. Putain, les haches qui volent et tout. Vénère, hein. Hop là. Ça touche. Oh, il vole et tout. Oh, oh ouais, non mais. Non mais en fait, tu es un moucheron. Pousse-toi. Pousse-toi de ma route. Allez hop. Il y a intérêt à ce qu'il y a du butin. Hein. Parce que vraiment, là, je te sauve le fion. Voilà, ça s'appelle se faire fusiller, ça, direct. Bon bah ça casse des gueules, hein. Ça casse des gueules, hein. C'est moi qui vous le dis. Ça se voit un peu en même temps, hein. Après ils essayent de résister si tu veux, hein. Ça tire des flèches. Ça essaie d'être dissident, hein. Ça essaie d'être rebelle. Mais personne, personne ne roule sur la dissidence. Car la dissidence elle-même est dissidente, si tu veux. Allez hop. Bon, cassez-vous là. Hop là, toi t'avais qu'à pas être sur mon cheval. Allez, tout le monde charge. Pas de temps à perdre, les archers là. Bien joué, ça touche. Ça touche, ça touche. Hop là, bien joué ça. Voilà, augmenté de 5. Y'a des mecs vivants, tout le monde est mort. Parfait. 50 morts. Hein. 50 morts chez eux, 5 chez nous. Et 1 dans mon groupe. Bon, c'est un écuyer, ça fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave. 63% du butin. Ah ouais. Ah ouais. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Hallebardier ou... Ah oui, bonne question, ça. Je veux un piquier. Je veux un piquier direct. Niveau 5. Niveau 5. Formidable. Personne n'a besoin de ce casque. Bon, il a l'air d'avoir de la gueule, mais c'est tout. Non, personne n'en a besoin. Par contre, moi, je veux ça. Voilà. Parfait. Eh ben, ça se met en place, hein. Pas mal. Pas mal du tout, honnêtement. Attendez, je regarde des trucs. Ok. On revend. Le cassage de gueule a été effectué. Ça, je prends. Ça, je prends aussi. Merde, le bois dur, non, certainement pas. Voilà, je pourrais faire fondre tout ça, mais en vrai, on a besoin d'argent là. On a besoin d'argent, on a besoin de soldats. On a 200 hommes. On a 200 hommes, braves gens. Est-ce qu'on peut pas faire un truc? On va voir. On va voir si on peut faire un truc ou pas. Terre-terre des Vlandais, décide de faire la paix avec les Sturgiens. Ok.
Tu veux quoi, toi? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Viens ici! Viens ici tout de suite! Viens là! Bon, ok, hein. Ok, hein. Ok, mec. Ok, mec. Attention à ça, hein. Attention à ça aussi. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. D'accord. Il faut d'abord affaiblir, je vois. On va d'abord affaiblir, c'est pas grave. On peut affaiblir, c'est pas un souci. Voilà. D'abord qu'on affaiblisse, on va affaiblir. Oui, bon, on a échoué ça, mais c'est pas grave. Diplomatie. Ok, on commence à les tomber, on commence à les tomber. On commence, on les attaque, hein. On les attaque, ça se passe. Oh là, oh là là, oh là là là, oh là l'occasion. Oh l'occasion. Oh l'occasion. L'occasion. Direct. Alors là. Cavalry! Oh, so they hurry after me! Cassez-vous! Cette vague orque! Les Uruk-hai de la dissidence! Moi j'y vais, hein, je m'en fous. Alors là, moi j'y vais, hein, rien à foutre. Regardez-moi ces petits fils de pute. Ils sont là. Ils attendent. Moi aussi j'attends. J'attends l'occasion! Après toutes ces années de souffrance! Et d'humiliation! Ça va charger sec! Oh putain, j'y vais à pied! Oh bordel! Oh j'y vais à pied! Oh j'en ai rien à foutre! Viens ici! Bien joué. Attendez, on recule un peu. Derter. Putain, il est où? Il est où? Merde, c'est un pote, ça. C'est ça, tes soldats? Ah!
Voilà. Piou 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 piou. Ça touche. Ça touche. Le vainqueur, brave Jean. Nous avons vaincu. Choupez-moi ce fils de... Voilà. Descends ton cheval, réquisition. Réquisition médicale. Il y a une coloscopie à faire passer. Et niquez-vous YouTube, vous aviez qu'à venir sur Twitch. Vous auriez eu la musique. Il était sur YouTube. Ça respecte. Victoire. Victoire. Garantie. Garantie. 39% du butin, c'est pas mal. Sur une baston comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. En vrai. On a filé un coup de main sur la fin de la bataille. Donc c'est cool. C'est cool. Oh putain, oui. Oh, oh ouais. Oh ouais. Oh ouais. Ah, mais je vous prends tous. Tous. Ah, alors toi par contre, toi tu vas ici. Toi, ouais, toi tu vas là. Voilà. T'es à cheval ? Ah oui, du coup t'es à cheval. Ah non, je préfère avoir des archers. Chevalier vlandais. Vous allez utiliser un cheval pour les améliorations. C'est pas grave. Voilà, on a tout le stuff principal. C'est ce qui compte. Bien. Pas mal du tout. Pas mal du tout. On a aidé les Vlandais. Donc ça veut dire que les Vlandais sont aussi sur le coup du coup. Intéressant ça. Intéressant. Ok, je me fais poursuivre. C'est pas grave, je le vis bien. J'aimerais bien parler à Tegan. Est-ce que Tegan souhaiterait me rejoindre par hasard? Est-ce que ce serait un traître à sa nation d'origine? Est-ce que tu es faible? D'accord, toi tu ne souhaites pas me parler, d'accord. Toi, est-ce que tu souhaites me laisser le choix de te corrompre? Me laisserais-tu te corrompre? Je suis le souverain légitime des terres. Inefficace, merde. Très bien. J'ai prêté serment à mon seigneur. Oui, mais... ça ne veut rien dire. T'as pas l'habitude de tenir parole. Faites passer vos intérêts et ceux du royaume en premier. Les enjeux sont trop importants pour ça. Tout le monde sait que vous et Caladog ne pouvez pas supporter. Vous ne pouvez pas vous supporter. Oui, exactement. Voilà, tu peux pas le blairer de toute façon. Donc viens me voir. Vous êtes largement en sous-nombre. Une rébellion devrait avoir au minimum une faible chance de succès. J'ai toujours des stratégies. Je ne suis pas à l'aise avec l'idée de parler avec vous, je vois. Je ne crois plus en vos paroles. Très bien. Dans ce cas, tu m'excuses, mais tu ne sers plus à rien. Allez hop! Et quant à toi, t'avais qu'à m'écouter. Allez hop! Schlack! Niquez-vous maintenant, voilà. Ça vous apprendra à vouloir m'affronter. Non mais... bon. On va dissoudre l'armée. On va les laisser recruter. Voilà. Alors oui, alors là, oui, bah forcément, on va se taper...
On va se taper tous les gens qui disent « Eh, c'est pas bien, t'es plus mon copain, hein. » Voilà, forcément. Mais oui, normal. C'est normal. En même temps, fallait pas faire chier. Fallait accepter. Voilà, fallait accepter, fallait venir. T'es pas venu, tu payes. Voilà. C'est comme ça que ça marche ici. T'es pas venu, tu payes. Et tu payes cher. Tu payes de ta vie. Merde, les céréales. Les céréales, putain! Le blé, t'as cru que c'était gratuit? 23 000 balles, allez hop. Allez hop. Voilà, vous recrutez des hommes, c'est très bien. J'ai plus de blessés, nous avons 100 hommes précisément. Nous avons 100 soldats. Les gens de mon royaume. Voilà, lui commence à avoir un petit peu d'influence. Les fiefs. Donner cette colonie à quelqu'un d'autre. Oui. À moi. Allez hop. Ça c'est fait. Allez. Voilà, c'est mon fief maintenant, fils de pute. Voilà, casse-toi. Bon, il risque de pas être très content, mais c'est pas grave. Attends, tu crois pas que je vais te laisser le seul château du royaume, non? T'es un malade. Jamais je te le laisse. Et en plus, ça me permet de toucher des... voilà, 400 balles de taxes. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On va essayer de... Ils ont 8000, ils ont regagné de la puissance. Mais nous aussi on gagne de la puissance. On a 1000 contre 8000. Bon, autant dire que là, à l'heure actuelle, on n'a aucune chance de gagner. Mais... Mais on y arrivera. On y arrivera. Dès qu'on aura 400 hommes, on va monter au créneau direct. Ah mais sans hésiter, hein. Ça va être instantané, on a exécuté deux de leurs seigneurs, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal et ce qui va nous permettre de continuer à asseoir notre pouvoir. On va faire un petit tournoi, en attendant. On se fait pas assiéger pour l'instant, non, tout va bien, tout va bien. Voilà, je continue à prendre des trucs. Je peux même recruter... Je peux même recruter tout le monde. Voilà. Parce que comme ça, en fait, ils vont pexer. Ils vont pex pendant notre passivité, entre guillemets. Eux, ils vont pexer. Et ça va leur permettre d'arriver à maturation pour leur première baston. La première baston, c'est pas mal. S'ils peuvent être au minimum rang 2... c'est déjà ça de prix quoi, ça leur évite de mourir comme des cacas. Je parie pour l'argent, bien sûr. Attends, j'arrive. Oh, l'épée à deux mains, oh oui. Alors ça c'est sexe. Les tibias, les rotules. Moi je vise les rotules. Alors normalement j'ai moyen de parer son trait, hein, techniquement. Ah bah non. J'ai raté. Hop là les stocks. Ça va t'apprendre. Putain. Hop là. Ok, l'autre il est désarçonné, très bien. Ah non, c'est le poney que j'ai visé, merde. Saute. Bien joué. Bien joué, bien joué. Agile. Agile. Bon. Il va y aller à la masse, hein, parce que... Putain. Arrête. Tu arrêtes de viser mon cheval. T'as rien fait. On n'est pas en guerre, nique-toi. Casser ta gueule. Et ici. Voilà. Et toi, oublie pas que je suis ton chef.
Ah non, en fait, je suis pas ton chef, pardon. J'ai oublié. Mais t'as buté mon poney, là. T'as fait quoi, mon cheval? Voilà. Je t'enfonçais ta tête comme une boîte de haricots, ça va être réglé. Hein. Direct. Pas mal, tout ceci, pas mal. Allez. Voilà, parfait. Le dernier, le combat final. Putain, ça s'énerve dans les tribunes. Ok. Plus rapide. T'es désarmé. Allez hop. L'écu lourd. Ok. Écu lourd, parfait. Pourquoi pas. Commerce, hein, direct. 3000... Ah, attends. Ah oui, mais... Je peux l'utiliser à cheval ? Ouais, ça a l'air. Ouais, ça a l'air. Ok, bah nickel, j'ai un meilleur bouclier. Formidable. J'ai un meilleur bouclier, c'est parfait. Ça aura au moins servi à ça. Voilà, on va commencer à toucher des thunes du château, ça aussi c'est bien. Recruter des troupes, oh putain. Ah bah là on peut se faire une belle cavalerie là. Belle cavalerie là, pas mal. Alors. Ok, ils sont en train de remonter en puissance. On va retourner vers notre château, on va essayer de le défendre. Important. Il est où notre ami putain domicile, château d'Abcomer. Ouais, mais... Il va aller se battre un peu ou il fait quoi de sa vie, lui? Créer une armée. Ah! 95. Venez tous. Voilà. Vous venez tous, on va au combat. On va casser des gueules. Voilà, on va se mettre là. Et on va aller les attaquer. On va attendre qu'ils arrivent. On va attendre lentement parce que si jamais tu fais trop de... Trop d'accélérer, tu risques de manger un ennemi qui était pas prévu de base, c'est pas ouf. C'est pas ouf, vaut mieux attendre. Perturber les lignes de ravitaillement. Afin que l'Empire entre en déclin, il doit rester moins de 4 colonies impériales. Si cela se produit, un autre royaume deviendra la puissance dominante de Calradiar. Et donc ? Comme vous le savez, je reçois des rapports de mes espions qui surveillent les marchés des environs. Il y a certains marchands que je suis de près. Je sais qu'ils entrent en contact avec Istiana, d'accord ? On m'a signalé qu'ils venaient d'acheter de nombreuses armes et armures à Askar et qu'ils comptaient se rendre à Orthogard. Ensuite, il continuera son chemin. Théoriquement, Istiana arme son allié au sein des bandes de cette zone. Si cette caravane parvient à livrer sa cargaison, je pense que certains de nos amis des ruelles se retrouveront d'ici peu avec une dague plantée dans le dos et le reste d'entre eux sera trop effrayé pour nous reconnaître. J'ai besoin que vous retrouviez cette cargaison et que vous la détruisiez. Essayez de l'intercepter peu après son départ, avant qu'elle n'arrive à Orthogard. Si vous n'y parvenez pas, essayez de l'intercepter à sa prochaine ville de passage. Ça vous prendra peut-être plus de temps. Et la cargaison sera sûrement sous bonne garde. J'ai foi en votre persévérance, votre talent, votre compréhension et la gravité de la situation. Bonne chasse.
Et c'est où Horton Guard? D'accord. Ouais, moi je veux bien essayer, mais... Le problème c'est que là, ça me fait complètement dévier de mon objectif. Alors bon, je peux essayer, les Bataniens ils sont en train de se faire attaquer de toute façon, donc on peut essayer. Mais... ça me fait un peu chier quoi. Non mais c'est pas grave, l'Empire il rentrera en déclin, au pire c'est pas un souci. Ouais, l'Empire il rentrera en déclin, au pire c'est pas grave. Mais moi je peux pas me permettre de me barrer là, je suis en guerre. Moi je peux pas m'en aller en fait, c'est pas possible. Je peux juste pas partir quoi. Bon, on a combien de soldats? Il manque combien de groupes? Il manque deux groupes. Un groupe. On sera à 500 hommes. Putain. C'est pas mal, hein. 500 hommes, c'est pas mal. Est-ce qu'on essayerait pas de... Ah, je vois qu'il y a déjà un château qui se fait assiéger ici, qui devrait nous appartenir, ça me fait chier. Il se fait assiéger par les Surgiens. Et si on prenait... Bon, alors déjà... Déjà pour commencer, on va dégager ces deux petits connards. Déjà ça c'est fait. Voilà, parce que eux ils sont hautains si tu veux, à traîner devant la ville. Donc on va les dégager direct. D'accord, j'ai le contrôle sur tout le monde là. J'ai le contrôle sur tout le monde. Tout le monde me suit. Tout le monde me suit. D'accord. Stop. Allez, dépêchez-vous de vous mettre en place. Allez, on se dépêche, on s'organise. Hop, 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 allez. Allez, allez. Voilà, on s'organise. Merci. Voilà. Voilà, on fait une rotation. Allez, on se rapproche un peu et on laisse faire. Et là, ça va faire mal. Et là, ça va piquer. Bon, tu veux quoi, toi? Voilà. Hop, ça c'est fait. Je regarde, t'as une petite flèche dans l'œil, poney. Oh là 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 là. Maîtrisé d'une main de fer. Oh, mais j'adore. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Vous avez vu ce qui vient de se passer là? Oh putain. Il a buté le cheval, le cheval lui a mis un putain de coup de tête, il est mort. Direct. Ça c'est quand même con. C'est quand même une mort de merde. Ok,
le seigneur ennemi est mort. Enfin, est tombé. Parfait. Allez. Soldiers, get them! Chargez-les tous. Bon, déjà lui. Déjà lui, il est pour moi, si tu veux. Voilà, déjà ça c'est fait. Ça sera pas ça. Bien joué ça. Bah voilà. Bah écoutez, ça se passe plutôt bien. Hein. Franchement, cette guerre, elle est... Alors certes, ils sont beaucoup plus puissants que nous, mais comme ils sont aussi en guerre contre d'autres gens, et qu'on a réussi à retourner certains de leurs seigneurs contre eux, bah du coup, ça se passe. Je suis très content. Ok, ça touche. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué. Voilà. Formidable. Formidable, brave Jean. Très content de ça. Bon, est-ce qu'ils vont nous rejoindre à votre avis? Moi je pense pas. Hein. Moi je pense pas, ça risque d'être complexe. Ça risque d'être compliqué à mettre en place. On va regarder. T'es mon prisonnier. Hop, tu m'appartiens. Hop, tu m'appartiens. Déjà, ça c'est fait. Ensuite, les recrues. Je veux du fantassin. Les recrues, je veux du fantassin et je veux de l'archer. Voilà, pour elle. Vous, je vous améliore. Vous, je vous améliore. C'est parfait. Hop. On a pu tout prendre. C'est formidable. On va les mettre au château direct. Tout le monde se soigne. Vite. Gérer les prisonniers. Alors. Voilà, déjà. Ensuite. Lui veut pas me parler. Lui veut pas me parler. Ils veulent pas me parler. Tu veux pas me parler? Siaramus, t'es un mec de doux toi. T'es un mec doux toi. Siaramus. Je veux voir en fait s'il appartient à une dynastie ou si c'est un clan. Si c'est un clan, je l'exécute. Si c'est une dynastie, je le mets dans le donjon. Siaramus. T'es qui? Siaramus du Fiengal. Svana. Ok. Noble de Batania. Ah, t'es un noble? Ok. Bon, t'es un noble. Allez. Vous êtes des nobles. Je vous mets là. Allez, cassez-vous. Voilà, vous restez là jusqu'à ce qu'on paye votre rançon. Petit con, va. Putain. À quoi ressemble ma... Vraie question, ça. À quoi ressemble... mon fief? À quoi il ressemble? C'est à moi, si tu veux, normalement. Oh, stylé. Fais voir dehors. Il est stylé, ce château, visiblement. J'aime bien sa gueule, déjà, sur la map, donc... Y'a pas de raison qu'il soit mauvais. Aucune raison à cela. Aucune. Pas mal. Avec des murailles simples, une structure simple. Ça a l'air grand, la vache. Comment je monte ? Attendez, moi je veux... Putain. J'avais oublié que j'avais mis cette robe. L'angoisse.
Merde, c'est là les escaliers. Hop. Toujours bien aimé les bâtiments qui étaient collés aux murailles comme ça, je trouve que ça rend bien. Bon, qu'est-ce qu'on a? Petite place de village. Voilà, ok. Pas mal, non, il a de la gueule, hein. Il a de la gueule. C'est joli, hein. Ça a de la gueule, hein. Bien, pas mal. Pas mal, ce sera mon château principal. Ce sera mon château de vacances. Ce sera mon château de vacances, brave gens. Siège. Ils peuvent tenir 9 jours. Au-delà de 9 jours, ils vont commencer à crever de faim. Au-delà de 9 jours, ils vont commencer à crever de faim. Donc je m'en fous, moi j'ai tout le temps. On va essayer de les affaiblir, on va voir si ça passe. On va voir si ça passe. On n'est pas... Ça veut pas dire qu'on va réussir à prendre la ville. Hein. Je dis juste qu'on va essayer de les affaiblir. Par contre, on fait les choses en patience. C'est important. Alors on peut surveiller comme ça, voilà, on peut faire un petit accéléré, mais pas trop non plus, je surveille. Je surveille. Construction du siège, voilà, les sièges font partie de l'organisation de Calradia, parfait. Alors, toi, tu vas construire... Bah, vous allez construire des trébuchets, hein, clairement. Voilà. Voilà, vous construisez tout. Voilà, il y a des gens visiblement qui viennent là pour essayer de venir défendre la ville. Donc ils vont essayer de ramener leur cul, c'est pas grave. Faut qu'on fasse attention en fait parce que... on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Voilà, c'est surtout ça le truc. Voilà, ils commencent déjà à mourir donc c'est parfait. Ils commencent déjà à mourir donc c'est parfait. Ils vont commencer avec eux, c'est très bien, c'est exactement ce qu'on leur demande de faire. Ils sont 830, hein. La vache. Ils sont encore 830. Mais c'est pas grave, on va les faire mourir de faim. C'est pas un souci. Ils peuvent encore tenir 6 jours. Ok, on fait attention. Voilà, le trébuchet il tire. Il y a des gens, ok, il y a des gens, c'est pas grave, on va attendre. Il y a des gens à côté. Ils ont repris le château ici? Ouais, ils l'ont repris mais ils l'assiègent. Ok, donc attention, ça veut dire qu'il y a une armée qui va venir se déplacer. On fait attention à ça. On a toujours ça à l'esprit, c'est important. On fait gaffe. Votre relation avec Dame Mollarn a augmenté de 8, ok. Pourquoi? J'en sais rien. La catapulte de feu de Pencanoc a été endommagée. D'accord. 820 ils sont. Ils sont 820, on a perdu 30 hommes. Ok, on vient d'en perdre 3 de plus, ok. Dans 4 jours ils vont commencer à mourir. Prête à la bataille 72. Ok, attention à ça quand même. En 4 jours, ils vont commencer à mourir. Bon, on va plus rien construire pour l'instant. Construis rien, ça sert à rien, on provoque des morts pour rien. Ok, attention parce que lui, ça veut dire qu'il attend peut-être des gens. Ok. Il va où? Faut qu'on se casse. Avance, avance, avance. Putain, il a pas avancé.
C'est moi qui décide, connasse. Ok, ok. On s'en va. C'est pas grave. Pas grave, c'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. C'est pas un souci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à mes hommes, quand ils seront en position là d'être au calme, je vais leur dire d'aller continuer de recruter et que je reprendrai une armée après. C'est pas grave, c'est pas dramatique. Voilà, on va dissoudre l'armée une fois qu'on aura passé ce groupe de 87 là. On est plus que 57 dans mon groupe, hein, putain. Ça a fait du vide, je sais pas pourquoi, mais... Je sais pas pourquoi on a eu autant de vide, mais on a eu du vide. On a combien d'archers encore ? Plus beaucoup. Plus beaucoup d'archers. Attention à ça. Hein. Et quasiment plus d'infanterie, donc attention. Mais comment ça se fait ? Je comprends pas. Cavalerie, infanterie. D'accord, ouais, on a. Ouais, il faut qu'on re-recrute. Hein. Faut qu'on re-recrute, ça va être important. Pour recruter un max. Proposition de paix. Contribue chaque jour pour mettre fin à la guerre entre vos deux royaumes. Vos vassaux vous laissent prendre la décision. J'accepte. Plus de guerre. Hop. Formidable. Voilà, on n'est plus en guerre. Et on touche un tribut. Voilà, ils payent 1000 balles chaque mois. Putain, ils ont été grave affaiblis par contre. D'accord, nous n'avons qu'un fief, mais nous en avons un. Et ça, c'est cool. Alors, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va se pencher dessus. Alors, clan. Fief. Aucun gouverneur. En gouverneur, je vais mettre... Je vais mettre Liena, tiens. Allez. Liena, tu seras gouvernante. Voilà, on a échoué la quête, mais c'est pas grave. On s'en fout, c'est pas dramatique. Là, maintenant, on va pouvoir se concentrer dessus. Eh bah écoutez, cette guerre a été rondement menée. En fait, je pense qu'ils ont dû voir... On commençait à attaquer leur ville, ils se sont dit... Ah ouais, ils déconnent zéro. Voilà. Tous les prisonniers, on les revend. On s'emmerde pas avec. Les arbalétriers mercenaires, je les prends. Je les prends. C'est important. Voilà, et eux, ils commencent à regrouper. Alors maintenant, important. Dans mes groupes, on enlève le gage illimité. Je veux pas déconner, ça pique. Limite actuelle. Voilà. On se calme, on n'est pas en temps de guerre, donc on se détend. On se détend. Voilà, parfait. Excellent. En vrai, je suis très content.
on perd que 700 balles par mois, on va voir combien on perd vraiment en fait, si c'est vraiment 700 balles. Non, je perds 2000 balles. Je perds 2000 balles par mois, ok. Le château, où est-ce qu'on en est? Ça produit quoi? Ici, ça produit du raisin et là, du blé, donc des céréales et du vin. Ok, pas mal. Gérer le château. Bon, il est en train de gérer, ok. Limite de réserve de nourriture, c'est parfait. Ça augmente, ça augmente. On lui donne 10 000. On lui donne 10 000, il faut que ce château il soit irréprochable. 400 défenseurs par contre, ça c'est pas mal. Hein. Ça c'est pas mal, 400 défenseurs ça déconne zéro. On va attendre la prochaine guerre, hein. Écoutez. Ce qui veut dire qu'en attendant, faut qu'on fasse des choses pour gagner du fric. Notamment de la forge et agresser des papiers et mamies. Pillard. Uniquement les papis mamies, ils sont plus simples. Ils sont plus simples à agresser si tu veux. Mais par contre, pillard. Tout de même. Pas les sujets. Attendez. Il a un message pour moi. Mes agents m'ont signalé des activités inhabituelles de bandits près d'Abcomer. Ils semblent piller des colonies. Alors, on va leur casser la gueule. On va leur casser la gueule. Pas de problème. On s'en occupe. On s'en occupe dès que possible. D'ailleurs, alors attends. Bon, on verra ça après. Faut que je les mette en défensive du coup les autres. Les gens de mon groupe, enfin non, en fait, je peux les laisser en neutre. Neutre, ça veut dire qu'ils attaqueront quand ils ont besoin. Je sais pas en fait. Je sais pas ce que veut dire neutre. Est-ce que neutre, ça veut dire qu'ils s'en foutent, ils attaquent personne, pas même les bandits, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Bon allez, on y va. Pas mal ce bouclier visiblement. On peut les toucher ou pas? Ouais, je suis pas assez. T'as tiré dans mon bouclier là. C'est ça que t'as fait. Hein. Ouais, d'accord. Putain, le mec est mort. Il s'est pris sa garde dans la gueule, il est mort. Garantie. Ça c'est de la mort si tu veux. Voilà. On reste par terre toi. Pas mal. Ok. Encore. Ouais là-bas. Il a attaché mon casque. Putain. Le con. Le con. Oh là là, il arrive même pas à bander son arc. Bien joué. Mais insuffisant. Très insuffisant. Décevant même, je dirais. Terrible. Bon, on va le battre en duel, l'autre. Hein. En duel à l'épée à deux mains, ça va être réglé. Parfait. Il se bat bouclier, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas un souci. Putain, j'ai deux flèches dans le fion. La vache. Je les ai même pas sentis, je suis trop habitué. Bien joué. Parade. Bien joué. T'es mort. Allez hop. Voilà, je fais des archers, je fais des gens, je fais des archers, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Vos relations ont augmenté de 2 avec les notables à proximité. Parfait. Parfait. Pouvions pas espérer mieux. Commerce.
Ok. Je regardais s'il n'y avait pas un truc qui se portait de manière stylée. Quoi. Mais non, sans plus. Ok. 16 000 balles. Pas mal du tout. Pas mal du tout, pas mal du tout. J'ai pas envie de faire tournoi en fait. J'ai pas envie. J'ai pas envie, ça me fait chier. J'en ai trop fait. J'en ai trop fait. Et j'ai plus besoin de réputation maintenant puisque j'ai ma propre influence. Donc tout va bien. Bon, faut qu'on s'occupe des bandits, c'est ça? Les bandits qui pillent la zone. Traquer les bandes de bandits des forêts. Bah c'est pas eux là. Ça doit être eux là. Ici. Viens là. Arrête de courir. Reviens ici. Putain. Ah quand même. Ça compte ou pas? Non. Non, ça va pas compter, ça veut dire que c'est pas eux. Ouais, forcément, ils vont se marcher dessus, là. Normal. Ah! Ils sont là! Ah, ils sont 40 quand même, d'accord. Allez, c'est parti. C'est des archers, donc faut faire attention quand même. On sait jamais. On sait jamais, vaut mieux faire gaffe. Vaut mieux faire attention, au moins on est sûr. C'est pas mal. Je vous donnerai les dates de stream d'ailleurs pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y aura que deux streams, pour info. Voilà. Je le dis. Voilà. Bon bah ça va picoter là. Hein. Ils vont être à portée. Forcément. Tiens d'ailleurs. Descendez un peu plus vous. Pour laisser de la distance. Voilà, parfait. Ça va commencer à tirer là. Hein. Ouais, ça commence. Voilà, parfait. Voilà, levez vos boucliers, arrêtez d'être débilus. Parfait. Voilà, et puis on va attendre. J'aime bien, ça me fait rire. Alors, par contre, on va peut-être les rapprocher un peu parce qu'ils n'ont pas l'air de pouvoir tirer beaucoup, beaucoup non plus. C'est pas les meilleurs archers qu'on avait tout à l'heure. Il hein. Faut en tenir compte. Ah merde, bah j'ai dit à tout le monde de charger, bah j'ai dit à tout le monde de charger, tant pis. Tiens, il l'a mangé dans la tête l'autre. Ça a dû piquer. Hop là. Prends un coup de poney. Ça touche. J'adore le maniement des chevaux dans Bannerlord. Ils sont vraiment bien. Franchement, ils sont vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Oh bah voilà, les archers font le taf. L'infanterie avance doucement, mais c'est normal. Parfait. Ici. Bon bah voilà, là autant dire que là c'est gagné. Pas mal les deux d'un coup. Joli.
J'avoue, j'ai jamais fait ça encore. Le mec m'a battu. Promotion. Joli. Joli. Promotion directe. Direct. Bon, bute-le. Bute-le, allez. Chope-le, là, voilà. Chopez-le, parfait. Fantassin. Recrue. Parfait. Pas mal. Pas mal. Nous avons 104 hommes. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, on pourra faire des choses. On pourra faire des choses. Ce deuxième groupe là-bas, on va s'en occuper. Pareil, on va s'en occuper de la même manière, j'ai pas envie d'avoir des morts inutiles en faisant envoyer vos troupes. Ce serait un peu dommage. Ce serait un peu con. Ok. Pareil, hein, de la même manière. Alors, ils sont où? Ils sont en haut, d'accord, ils ont l'avantage. Ok, bon, bah écoute. On va faire un truc très simple, c'est qu'on va dire... On va dire aux archers de se mettre... Voilà. Soldiers! Move out! Cavalry! Move! 3 F2-F6, 4 F2-F6, et voilà. Parfait. J'ai mis l'infanterie derrière parce que je veux permettre aux archers de tirer en fait. Tout simplement. Soldiers! Arms length apart! Voilà. Dès qu'ils pourront comme ça, ils tireront, c'est parfait. L'infanterie s'en occupera derrière et puis on est bon. Hein. Alors faudrait pas trop non plus qu'ils se rapprochent, donc on va les mettre juste derrière, qu'ils soient juste tout prêts à partir. Ah, ils tirent de plus loin par contre, ça c'est bien. Voilà, on va les laisser tirer en même temps, mais bon. S'ils en tombent, c'est bien, mais bon. Duel d'archer, c'est dur. C'est pas les meilleures troupes en archer qu'on a, donc... Faut leur laisser le temps de tirer, quoi. Ok, on a perdu un archer, c'est pas grave. Pas mal en vrai ça hein. Ils ont bien modifié les animations, elles sont très très cool hein. Franchement. Je les trouve très très cool. Merde, j'ai raté. Tire-lui une flèche dans le genou. Voilà. Faire sceller de messages au secours. C'est pas le moment. Je stream. Laissez-moi tranquille. Ça touche. Parfait. Encore des prisonniers. Ça. Infanterie. Toi. Toi. Merde, ah bah oui, mais non. Voilà. C'est pas grave. Élimination d'un groupe, ok. Et le troisième, du coup, il y en a un troisième, hein, c'est ça? Si j'ai bien compris. Il y en a un troisième, normalement. Il y en a un troisième, c'est ça. Bon, comment on est plus en guerre avec les bataillons? Je peux retourner là-bas. Et je peux vendre. Ouais, on peut. Alors non, parce que si on est re en guerre avec eux, je sais pas. Je suis pas trop chaud de. Quoique. Il se battra et puis c'est tout. Il se battra.
Il se battra avec nous, on lui laissera pas le choix. De toute façon, il nous appartient. Oh, quel dommage qu'on puisse pas le porter. Ça a l'air joli, hein. Oh, c'est stylé. Quel dommage. C'est trop stylé, j'aime trop. Tant pis. Quelle déception. Allez, allez, on vend tout. Dommage parce que c'était joli. 22 000, parfait. Bon, le château, ça a avancé ou... Ouais, ça avance. Putain, il a déjà pioché 2000 balles. Putain, il les met dans sa poche, c'est sûr. Augmente l'approvisionnement local en nourriture. Ok, putain, elle fait flipper avec ses yeux rouges comme ça, là. J'adore. Les arbres fruitiers et les parcelles de légumes à l'extérieur des murs donnent à la nourriture. Donnent de la nourriture tant qu'il n'y a pas de siège. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Tribu des Bataniens, je touche 800 balles. Putain. Quand même, hein. C'est pas mauvais, tout ça. C'est pas mauvais. Alors, toi, t'es un guerrier batanien, donc toi, tu vas ici. Et toi, tu vas ici. Voilà. Putain, 21 000 de puissance. Oh, c'est... Ah, ils sont à 5 000, hein. Tribu reçue, 12 800. Quand même. Quand même. Ils nous ont versé 12 800 balles, quand même, depuis le début. Oh, putain, mais... Oh, bah, ils sont en train de vécreux, là, les... Ils sont à 640 défenseurs. Ah, je serais d'avis de leur déclarer la guerre, en fait, dès qu'ils sont très affaiblis. Vous voyez ce que je veux dire? Dès qu'ils sont très affaiblis, hop, on leur prend la ville, tu vois, et on les agresse. Dès qu'ils vont se commencer à se faire défoncer par les Sturgiens, en fait. Eh ben... J'aurais bien aimé, moi, avoir des seigneurs ennemis dans mes rangs. Encore plus que ce qu'on a réussi à avoir, quoi. Moins 200 balles. Je perds que moins 200 balles. Ah bah, c'est cool. Ah bah, c'est cool. Pour l'instant. En tout cas. Pour l'instant, je perds que moins 200 balles. Ils ont encore quelques châteaux, ils ont encore quelques trucs, mais putain, les Sturgiens, ils sont étalés de ouf, quoi. Ils sont étalés de malade. Ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun sens. Si, ils sont juste très forts, mais au secours, quoi. Au secours. Voilà, ça vend du beurre, ça vend des trucs. C'est bien. Ah, ils sont là, eux. Alors, j'aimerais bien... Ok, non, on va les laisser en neutre. Hein. On va les laisser en neutre. Voilà. On va s'en occuper, comme ça la quête sera faite. Tout le monde sera content, je toucherai mes thunes. Parfait. Et surtout, on affaiblit l'Empire. Et ça, c'est cool. Et ça, brave gens, ça n'a pas de prix. Très content de cette partie de Bannerlord, là. On s'est bien relevé, c'est très cool. Bon, bah allez. T'as pas de temps. Ah, mais on est dans le village, en plus. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui, bah autant charger alors.
Autant charger, comme ça on règle le problème rapidement. C'est des archers en plus, donc ils ont rien compris. Putain, stylé les baraques, hein. Sympa, hein. Si on pouvait faire la même chose sur Alduin, ce serait très cool. Carnage, carnage, littéralement. Ah bah là, ah ouais, là. Ah bah là, 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 ça pique. Non mais, tu me fais rien en fait, tu ne me fais rien. Oui, tu me mets des petits dégâts, certes, ça picote. Ah, quand même, d'accord, ok. Ok, bon, je te pousse alors, hein. Voilà. Mon cheval, enculé. Bon. Où sont mes hommes? Tu te calmes? Putain, bien joué. Viens là! Tirez-lui dessus! Bien joué! Encore! Encore! Merde. Bon, il va mourir. Pas mal. Hop, prisonnier. Fantassin, oui, carrément. Ouais, tout à fait. Arbalétrier mercenaire. Recrue. Voilà. Arbalétrier vlandais. Maintenant, il faut trier. Alors, arbalétrier, toi tu vas là. Arbalétrier mercenaire, tu vas là. Recrue, tu restes ici. Toi tu restes là, c'est parfait. Voilà, j'ai éliminé toutes les bandes de bandits dans les environs. C'est nickel. Putain, j'ai 2% de points de vie, au secours. Traquer le groupe de garde, la conspiration. Ah, ok. On va peut-être attendre que je me régène du coup. Parce que j'ai pris un peu cher. Voilà, 20% de points de vie, ça devrait suffire. Rendez-vous. D'accord, tu veux pas te rendre. Ok. Ça marche. Je vois. Je vois quel genre d'homme tu es. Fort bien. Je vais m'adapter à ta tête afin d'en faire un moulage pour mon étagère, mon con. Pas de problème. Je m'adapte. C'est pas un problème. Bien. Alors par contre, faut pas qu'on fasse les cons. On est en pente. Fait chier. Clairement fait chier. Ah oui non, pardon, c'est moi qui fais de la merde. Merde, et ah mais c'est les ennemis, putain. D'accord. Bon, ils vont venir ou pas? À votre avis? Moi je pense qu'ils vont pas venir. Ils ont pas l'air d'en avoir envie. Bon. Soldiers! Cavalry! Warriors! Keep close! Infantry! Them! Infantry! Form a line! Horse! Hear me! Follow me! Allez, on va voir comment ça se passe.
On protège les archers avec nos flèches. Enfin, avec nos chevaux plutôt. Faut pas que ce soit les archers qui trinquent. Eux, ils vont se dépêcher de courir. Ils vont aller sous le feu. Et puis nous, on va faire diversion déjà pour commencer. Alors. Déjà. Voilà, les archers vont se rendre là-bas. Nous, on va faire un petit peu diversion. On va essayer d'occuper leurs flèches. Voilà. On va faire une espèce de mini bataille. On se débrouille. Putain, le salaud. Merde, ça devait être un pote. Fait chier. C'était pas voulu. Voilà, un cavalier qui tombe est un cavalier mort, brave Jean. Voilà. Ça déjà, c'est fait, ça en fait un de moins. Et comme leurs archers, ils ont pas de point de vue, bah forcément, ça fait mal. Vous allez vous décaler. Voilà, et vous y allez toujours en tirant, bien sûr, hein. Évidemment. Voilà, là il va y avoir du monde, donc on va éviter de se montrer. Enfin, du moins de trop se montrer. Faut pas qu'on oublie également qu'on a que 20 HP, hein. Ok, il y a des chevaux qui meurent, tout va bien. Tout va bien, tout est sous contrôle. Attention aux archers, on les couvre. Bon, on va essayer, hein. Je sais pas trop ce que je fais là, j'avoue. Aïe aïe aïe, où ça pue? Oh! Non mais j'ai mal géré ma baston là en fait. J'ai très mal géré ma baston, je crois. C'est même pas je crois d'ailleurs, c'est sûr. Ok. Ça va le faire. Ça va le faire, mais bon, ça fait chier. Casse-toi. Ok, je me concentre un peu parce que c'est pas dit qu'on puisse. Faut faire gaffe aux. Putain. Faut faire gaffe aux. À leur cavalerie, quoi. Putain, mais. Ils sont chiants leurs pavois là. Ils sont super gros là, on les touche pas. Bon, merde. Attention parce que plus de vie, hein. Plus de vie, ça veut dire chute de morale. Fais gaffe. Ok, ça se passe. Ça va le faire. Putain, mais par contre, je pense qu'on aurait pu mieux gérer. On a géré, mais on aurait pu mieux gérer, je pense. Voilà, lui il est tombé de son cheval, tout va bien. Voilà, ça s'est fait, mais ça aurait pu mieux se faire, quoi. C'est juste ça. Ok, pas mal. Nickel. Thank you.
Voilà. Et du butin, c'est formidable, tout est parfait. Éliminer les pillards, ça a été fait, effectué, tâche accomplie. Nickel. Voilà. Éliminer les pillards, c'est chose faite. Je veux voir combien je perds. Invet, c'est où? Ah, c'est ce village-là qui rapporte 600 balles, putain la vache. Ah ouais. Et on perd que 177, eh ben, ça rapporte, hein. Ça commence à se développer, tout ça, parfait. Ok. Eh ben, on est bien, hein. On est bien. Je réfléchis, mais on est bien. En vrai, on va grandir petit à petit, quoi, maintenant. Faut viser, faut... Alors, faut faire attention, parce que du coup, ils vont se regrouper dans une seule et même ville. Voilà, il faut faire attention à ça. Là, ils sont 800, vous voyez, ils commencent à se regrouper dans une seule et même ville, parce qu'ils perdent des hommes. Donc, il faut faire attention. Ilasiana a gagné un niveau, ok. Très bien. Vous voyez, ils commencent à se regrouper là, ils ont 900 défenseurs, machin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les observer de chez nous. Direct. Garnison. Milice. Il y a Sagnon qui est sur place aussi, qui fait des défenseurs. Putain, fais chier. Moi, j'aurais bien aimé les agresser, quoi, direct. Parce que là, ils vont être 1000 défenseurs, quoi. C'est chiant. Bon, pour l'instant, on a grave d'argent. Donc, tout va bien. On a grave de la thune. Comme dirait quelqu'un que je connais, blinde de thune, direct. Mais non, putain! J'arrête pas de me tromper avec eux, ça me saoule. Lui, il a pas de fièvre, donc forcément, il peut pas se développer beaucoup, mais t'inquiète. Ça va le faire. En vrai, il y a une gestion qui est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on aurait comme truc de politique à mettre en place? Ok. Ok. La taille du groupe dirigeant est augmentée de 60. Les clans non dirigeants perdent 0,2 d'influence par jour. Hop là. % des taxes sur les douanes sont payées aux chefs de clan. Pénalité commerciale supérieure dans les villes. La prospérité de la colonie décroît de 1 par jour. Ok. Pas mal. Pas mal, pas mal. Du coup, là, j'ai un groupe à combien? J'ai un groupe à 188. Ok. C'est pas dégueu, hein. C'est pas déconnant, c'est pas dégueu.
sincèrement. C'est pas dégueu. Putain, ils sont à 915. Oh, putain. 915. On est où? Cassez-vous! Je veux prendre votre ville! Fantassin? Fantassin. C'est ça qu'on veut. C'est en effet ce qu'on veut. Alors. 916, mais forcément, en fait, ils sont en train de se faire éclater la gueule, donc c'est normal qu'ils se regroupent dans des endroits comme ça. Après, bon, ils se font éclater la gueule, ils remontent quand même, mais... Nous, on a une puissance qui est à 1619. 1619, ok. Comment on fait pour recruter des mercenaires? Je veux dire de recruter des clans. Je sais pas comment on fait. Ça, moi j'aimerais bien. Putain, et les Sturgiens, ils ont tellement tellement une ville surface colossale, quoi. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Salut mec, je peux te parler ou t'as peur? I don't think I know you. Ah bon, peace, je me connais pas. To you, stranger. Je suis Ashley. Partie des plus anciennes lignées bataniennes, d'accord. Je sais qu'une. Je suis persuadé qu'une personne de votre stature sait qu'il n'y a rien de plus important en ce monde que le poids des mots. Parlez franchement avec moi, et je ferai de même avec vous. On va discuter de quelque chose. En toute franchise, que pensez-vous du seigneur Caladog? Vous devriez parler de ce problème avec mon parent, Aradwyr, qui parle pour notre famille. On va essayer. Hein. On ouvre l'œil, on va voir si on le voit. Là, il y a un repère, ok. On va voir si on peut tomber dessus, ça peut être cool. Est-ce qu'il serait pas là, par hasard? Est-ce qu'il serait pas dans cette armée? C'est possible, hein. Parlez aux autres membres. Aradwyr. Que pensez-vous du seigneur Caladog? Je n'écouterai pas de tels propos tant que je serai dans une armée. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Dans 20 jours? Ouais, on a le temps. J'aimerais bien lui parler en fait. J'aimerais bien lui parler pour voir si on peut pas le retourner contre son seigneur, quoi. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. On va voir. Il y a sûrement des choix, hein. Il y a sûrement des choses à faire. Il y a sûrement des choses à faire. Alors, on va prêter attention à l'armée. On va faire en sorte qu'elle se... Voilà, dès qu'elle se dissout, on pourra discuter, quoi. Tout ça, je vends. Tout ça, on vend. On vend tout. La totale. Putain, ça se porte pas en ville, ça, mais c'est de la merde. Épée courte rouillée. Allez hop. Ça c'est cadeau.
Voilà, ok, ça pille un max. Putain, et nous on a un château si tu veux. Mais on en a un par contre. Et ça c'est cool. Faut tout prendre. L'entièreté sera à moi si tu veux. Ok. Putain, il veut pas se barrer hein. Il veut pas se barrer. Moins 63, putain on est en bénef mais incroyable. On arrive à ne pas perdre d'argent du tout, ça c'est cool. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont une quête mais ils veulent quoi? On risque de pas très bien s'entendre n'est-ce pas? On est d'accord. My greet. Tu veux quoi? Je ne peux pas vous en donner avec une affaire aussi triviale, monseigneur. Très bien. Tant pis. Je suis roi. Je ne suis pas seigneur. Nique-toi, en fait. Je suis pas simple chevalier. Je suis pas simple seigneur. Ok, ils se battent encore. On a combien d'hommes, tiens d'ailleurs? 100, ok, donc on va dire 100, 230, 230, on va dire 350, 350 plus 89, ok, je vois. Faut que je recrute moi, hein, du coup. Faut que je recrute moi aussi. Moins 6500, ouch, 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 ouch. Comment? Pourquoi? Pourrait-on savoir pourquoi j'ai payé aussi cher? Aurions-nous une explication? Putain, j'ai pris tarif là. Hors quotidien 290. Et là, je suis en bénéf, ok. J'ai juste payé cher, très bien. Je vois, c'était les impôts. C'était les impôts, braves gens. Pour l'instant, tout se passe bien. Pour l'instant, je tiens à dire que on est plutôt tranquille. On va essayer de recruter dans les petits villages aussi. On va essayer d'arriver à 120, ça peut être pas mal 120 hommes. 120 soldats, ça peut être cool. Encore 10 et puis on est bon. Ouais, 122, voilà, 122, c'est très bien. 122, c'est parfait. C'est parfait. Totalement ce qu'il nous faut. Totalement ce qu'il nous faut. Il veut quoi, lui? On s'en fout. Bah écoutez, on va temporiser nos 20-25 dernières minutes de stream, hein. Écoutez, puis on va voir ce qui va se passer. Je suis à moins 600, on va essayer de gagner de l'argent. Et puis voilà. Alors là, on a deux repères, du coup on va s'en occuper. Alors ils sont en guerre contre qui? D'accord, ok, ça se met sur la gueule. Ils sont en guerre contre qui, les Bataniens, là? Attendez.
paye 170 pièces d'or en tant que tribut par jour à la dissidence. Ça respecte, hein. Ça respecte. C'est stylé. Ils ferment leur gueule. Voilà. Un repère, il y a celui de là-bas aussi à faire après. Pas mal tout ça. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Hop. Chargé. On va pas passer trois plombes. Tout va bien. Salut. Hop là. Hop. T'as été pas mort. Attends, attends, bouge pas. Attends, non mais laissez-le. Fallait me le laisser, putain. Ils sont chiants. Ils sont chiants. C'est terrible. On peut pas tirer sur des gens tranquilles. Ça rend ouf. Ça rend complètement dingue. Voilà. Bon. J'arrive pas à parer les flèches. Je sais pas comment on fait. On est censé savoir faire normalement, mais je sais pas, j'y arrive pas. Ok, quoi d'autre? C'est tout? Bon. Là, il y a un mec, je le vois. Putain, on se croirait dans DayZ avec les forêts comme ça, c'est incroyable. J'ai jamais tilté avant maintenant. Tu me le laisses? Voilà, c'est à moi. Pas touché! Pas touché! Bon, on va s'en occuper à l'épée à deux mains, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Il veut faire un duel, on va faire un duel. Bon, si ça l'amuse. Si ça t'amuse, Michel, si ça t'amuse. Bon. Bah oui, mais ouvre pas ta garde, par contre. Bon, à un moment, si t'es un forceur aussi, bon. Voilà. Je peux plus rien pour toi, hein. On ne peut plus rien pour toi, là, à un moment, hein. Voilà, parfait. Ça c'est fait. Suivant. Oh putain, la situation, tu sais. Oh la situation. Ok. On ira tout vendre à la guetta du coup. Ah quoique non, c'est l'Empire eux. Ah bah non, on ira pas vendre à la guetta. Certainement pas. Certainement pas. Je préfère encore vendre aux Batanians. Comme ça, quand on pique leur ville, bah du coup on récupère toutes nos richesses. Et ça c'est bien. Ok, ils perdent encore une armée, c'est parfait. Ils perdent encore une armée, c'est formidable. Tout est calculé, tout est maîtrisé et maîtrisable. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Parfait. Pouvions pas espérer mieux, braves gens. La guerre a été gagnée. On a gagné. C'est les Bataniens qui ont voté pour la paix. C'est pas nous. Nous on voulait se battre. Nous, on vous laisse battre d'emblée. On est des malades, nous. On est des malades, on s'arrête pas. Tu te tais. Tu te tais. Tu te tais. Merde, tu te tais. Tu te tais. Mais meurs. Merci. Je lui ai mis un coup de pommeau, la vache. Ça fait mal, hein. Ça peut piquer. Hop. Tu me tires pas dessus. Suivant. J'aime bien cette map, elle est sympa. Ça met du relief dans un champ de bataille, c'est cool. Tu sais, toujours avoir des plaines ou quoi, c'est un peu chiant. Et j'avoue que sur Bannerlord, contrairement à Warband ou quoi,
Ils ont vraiment réussi à faire des environnements qui sont vraiment déjà détaillés, jolis, faut être honnête, c'est pas moche. C'est Bannerlord, enfin c'est Mountain Blade, mais c'est pas moche, tu vois. Alors, pour 2023, il y a mieux, mais c'est pas moche. Et franchement, je trouve ça très immersif quand même comme truc. Ils ont vraiment réussi à créer presque leur propre style de jeu, quoi. Enfin, c'est même pas presque d'ailleurs, à mon sens, ils ont réussi vraiment à créer leur propre style de jeu et je trouve ça vraiment, vraiment très bien pensé et très bien foutu. Voilà. C'était mon avis. C'était mon avis sur ce que je pensais de la licence Mountain Blade. Et j'avoue que depuis que je l'ai découverte, j'ai pris un plaisir monstre. Putain, j'ai eu un mort, fais chier! Fais chier! Sont que deux, trois. La vraie brave gens, mais je n'ai aucune pitié. Ah mais là, aucune. Voilà. En plus ils ont tué un de mes hommes. Ils ont tué un de mes hommes, c'est intolérable. Meurs, voilà. Tu meurs, direct. On perd pas de temps. Bienvenue à ceux qui rejoignent, bienvenue à vous. Bah voilà, un petit peu de thunes. Du coup on va pas vendre à l'Empire parce qu'on n'a pas envie qu'ils gagnent de l'argent. J'ai pas trop envie non plus de vendre aux Vlandais parce qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. On peut vendre à Pencadoc, on s'en fout, les Batanians, on n'est plus en guerre contre eux. Et en plus quand on reprendra la ville, du coup on regagnera nos richesses. Donc tout va bien. Tout va bien, tout serait maîtrisé si ça se passait comme ça, ce serait nickel. Nickel. Évidemment ça ne se passera pas comme ça, mais c'est pas grave. Arbalétrier, recrue. Petite save. En plus on a gagné la guerre, encore une fois, et ça c'est cool. Putain, il y en a un autre là, bah attendez, on va le faire et puis on ira vendre. Alors, une deuxième fois. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Commerce. Voilà. Tout l'argent qu'on gagne, il faut qu'on essaye de le conserver justement parce que on a la chance là d'être dans une situation économique qui est plaisante. Donc pour pas perdre cet avantage, il faut mettre de côté tout de suite. Voilà, tout simplement. Ne perdons pas l'avantage. Parfait. Formidable. Ça a été intense hein, tout à l'heure, effectivement, là, espèce de guerre, là, la guerre ouverte avec les Batanians, c'était sympa. C'était très sympa, c'était très cool. Alors, encore la même map, c'est pas grave, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Bienvenue à ceux qui rejoignent, bienvenue à vous. Installez-vous, braves gens. Bien tenté. Oh connard, tu m'es esquivé. Dans les couilles, direct. Voilà. Ça leur apprendra à être dissident. Je suis le roi de la dissidence, hein, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. C'est important. C'est important. Oh putain, je l'avais pas vu. Belle parade. Mauvaise contre-parade. Espérons ne pas avoir de mort cette fois. Ce serait appréciable. Oh le con. Putain, avec son caillou là derrière. Oh le salaud. Voilà, parfait. Oh l'enfoiré. Il m'a touché au visage en plus. Il a pas honte. Il a osé me toucher avec un caillou. C'est intolérable. Ma personne est outrée. Petite pleine lune là. Ça éclaire bien. Ça éclaire bien. Bienvenue à ceux qui rejoignent. Bienvenue à vous.
Merde, putain, mais ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Non mais... Ça suffit, hein. Le dernier. On y va. On peut se faire le duel. Le duel. Le du... Dépêche. Ils sont où? Ah, il doit être en bas. Ouais, je le vois. Putain, le con. Bon, on va le laisser y aller, hein. On va pas marcher, nous. On est roi, après tout. Putain, j'ai envie de faire une Assassin's Creed. Merde, on peut pas. Fais chier. On peut pas, ça marche pas. Merde. Voilà. Allez, go. Ah oui. Ah, vous êtes sortis nombreux, à ce que je vois. C'est bien. Vous faites une boîte, non? Vous faites un bar, je sais pas. C'est un peu question. J'accepte. Oh là là. Oui, mais de toute façon, regarde. Voilà, tu es mauvais. Bon. Un moment, quand on est mauvais, c'est tout. Bon. Faut savoir l'accepter aussi, hein. C'est pas grave, il faut rentrer chez soi, s'entraîner, et puis on revient après, mais... Voilà, il faut avoir envie de le comprendre, quoi. Pas trop envie, quoi. C'est pas grave après, hein, c'est pas grave. Tu le payes de ta vie, finalement. Bien. Nous avons donc... effectué tout ce que nous avions à faire. Récemment, fais voir. C'est moi. Putain, trop bien. Taverne, rançonnée. Garde de caravane, on s'en fout. Les troupes, je prends l'archer parce que j'aime bien les archers. Commerce, on vend tout le merdier. Voilà. Voilà. 4000 balles. Ça donne quoi le château? Ok, belle garnison. J'avoue. Belle garnison. Tac. Moi, je voulais voir. Voilà, ça. On va remettre un petit peu d'argent. 10 000. Voilà, tu prends 10 000. Prends même 20 000. Prends 20 000. Prends. Voilà. Prends 20 000. C'est très bien. Eh ben, écoutez, je pense qu'on est pas mal, hein. Je pense qu'on est pas mal pour tout ça. On est bon. On est pas mal. Un stream dans la moyenne. Tout va bien. Voilà. On a fait tout ce qu'on avait à faire. On a vaincu. On a stabilisé. Bah écoutez, franchement. Franchement, moi, je suis content. Hop. Voilà, j'ai coupé. Parfait. Bah écoutez. On est bien. Ce fut un stream tranquille, ma foi, aujourd'hui. Yes, 1, 2, 3. Ce fut un stream tranquille aujourd'hui, mais pour le coup, j'ai adoré. On a fait une très très bonne session de jeu. C'était très cool. Merci d'avoir été présent sur ce stream. Et puis, à la prochaine. Merci. Attendez, faut que je vous donne les dates de stream. Lundi, Star Wars. Mercredi Star Wars aussi, mais moins longtemps. Lundi, on essaiera de faire un gros stream pour bien avancer. Voilà, faire une grosse session en fonction évidemment des crashs du jeu, etc. On s'adapte toujours en fonction, évidemment. Ça va de soi. Sur ce, braves gens, merci d'avoir été présents pour ce stream. Merci au follow, merci au sub, hein, toujours pareil. Merci à vous. À la prochaine. See you fuckers.